Bonjour, je suis une entraîneur au club Acrobat, je m'appelle Elisabeth. Tu essaies de faire la roue, mais ça marche pas? Aujourd'hui, je te montre comment réussir. Pour t'aider à réussir ta roue, on a plusieurs éducatifs pour toi. Donc, le premier éducatif est de trouver sa bonne jambe. Tu vas commencer par coller tes deux jambes ensemble, laisser tomber tes épaules par en avant, et la première jambe qui va atterrir sera ta bonne jambe. Deuxième éducatif, comment mettre les mains au sol dans une roue. Donc, tu vas commencer par mettre ta bonne jambe devant et venir faire un petit bonhomme. Ensuite, si tu es droitière, tu vas venir mettre la main droite en premier au sol et tu vas venir mettre l'autre main juste à côté. Pour les gauchères, tu vas venir mettre ta bonne jambe la gauche et la première main sera aussi la gauche, la même que ta bonne jambe. Et tu vas venir mettre l'autre main à côté. Troisième éducatif, faire la bébé roue. Donc, tu vas commencer par mettre ta bonne jambe devant et venir mettre les mains au sol. Tu vas pousser avec tes jambes pour venir les atterrir de l'autre côté, une jambe à la fois. Donc, cet éducatif plus facile va t'aider à réussir ta grande roue progressivement. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire la roue du début à la fin. Donc, on va commencer avec les grosses oreilles et on met la bonne jambe devant. Ensuite, on va venir déposer les mains au sol et on vient pousser avec la jambe en arrière pour décoller les pieds et venir porter les jambes de l'autre côté. Donc, le plus important, c'est de garder les jambes droites, écartées comme un Y et d'avoir les hanches ouvertes. Donc, pour avoir les hanches ouvertes, on vient serrer les fesses et garder le ventre dur, dur, dur. Pour t'aider à ouvrir les hanches, on a un petit truc pour toi. Donc, tu vas pouvoir prendre un bloc ou quelque chose de plus haut. On va venir mettre les mains sur le bloc et pousser les jambes de l'autre côté. Donc, ça va t'aider parce qu'une fois que tu vas revenir au sol, ça va être encore plus facile de faire la roue. C'est tout! Il y avait plusieurs étapes, donc n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois. On se voit au prochain tutoriel sur la chaîne du Club Acrobat.